t'es super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Corentin et Océane. Coucou les loulous. Coucou. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben, vous êtes redevenus bébé. Mais dis donc, mais c'est Corentin et Océane, vous êtes sûr? Petit copain, vous êtes sûr que c'est Corentin et Océane? Ouais. Oh. Ben pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes des bébés. Ben alors si vous êtes des bébés, ben on va vous donner à manger de la nourriture pour bébé. Ouais. Ouais. Dis-nous les amis, c'était une blague, hein Loulou, c'était une blague. Oui, c'était une blague. C'était une blague. Mais ouais, vous avez été nombreux dans la vidéo de Real Food versus Gummy Food à nous demander de refaire une vidéo comme ça. Alors du coup, on a décidé de changer un peu et de faire un Real Food versus Baby Food. Baby Food. Voilà. Donc alors, ça va être quoi le principe, Loulou? En fait, il y aura de la nourriture pour humains et de la nourriture pour bébés. Les bébés sont des humains quand même. Donc de la nourriture pour les grands, pour les adultes, les grands et tout ça, contre la nourriture pour les bébés. Il y a un rookie qui a passé. Il y a un rookie, ah bah oui, forcément, il y a à manger, donc il y a le chien. Hein. Allez, viens dans mes alors, bras. Alors bien sûr, pour le moment, il n'y a rien dans les assiettes, les amis. Viens dans mes bras. Alors, on va, comment ça va se dérouler, le challenge? Bah, c'est simple. Vous aurez le choix, donc, chacun votre tour. Donc, on va commencer par qui? Par moi. Par Quentin. Ah, vous allez faire pierre, feuille, ciseaux. Ouais. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Pierre. La feuille recouvre ça. Oh, quelle triche! Elle a attendu. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence, mais bon. Je sais pas si tu fais bien de commencer, mais bon. Alors, je vous explique, les amis. Donc, chacun leur tour. Donc, en l'occurrence, c'est Océane qui va décider s'ils échangent ou pas leur assiette sans savoir ce qu'il y a dessous. Donc il y aura une assiette avec de la nourriture pour adultes et une assiette avec de la nourriture pour bébé. Voilà pourquoi Corentin et Océane sont habillés en bébé. Et voilà. Alors est-ce qu'on commence ce challenge? Oui. Allez, bon, on y va. Alors par contre, il y aura 6 manches. J'allais oublier, si vous goûtez ce que vous avez dans l'assiette, vous marquez un point. En revanche, si vous ne goûtez pas, vous ne marquez pas de points. Mais si par exemple Océane elle a quelque chose qu'elle ne veut pas goûter et que Corentin veut bien manger à sa place, il lui prend le point. Ok? Oui. Et okay. Bien, on peut marquer 2 points comme ça. En fait. Voilà, comme ça tu peux marquer 2 points. Voilà. Est-ce qu'on commence le challenge pour de bon? Oui. Allez, bah, c'est parti. Alors les loulous, voici les assiettes. Alors on ne regarde pas dessous, hein? On ne se spoile pas. Donc, alors, Océane, est-ce que tu veux échanger ou pas avec ton frère? Pas échanger. Tu veux pas échanger? Non. Alors, on va ouvrir les assiettes, n'importe quoi. On va ouvrir les cloches à 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, Océane, qu'est-ce que tu as eu? Fais voir. Alors Océane, elle a eu un petit pot pour bébé. Alors fais voir de plus près, ma chérie. Avec des jambons et des petits pois. Alors voilà, donc ce sont du jambon. Voilà, c'est du jambon avec des petits pois. Et Corentin, on retrouve du jambon avec des petits pois, mais normaux, dans son assiette. Alors, est-ce que vous voulez goûter? Ouais. Ouais. Un pois. Bon courage. Un peu plus, ça. Mais je dirais qu'il marque un peu pas. J'ai 2 points de jambon. Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût? Non. C'est pas bon, c'est pas pas bon, c'est pas bon, mais c'est... Bon, en fait, il n'y a pas de goût. Donc voilà. Ok. J'ai goûté 2. Ok, mais t'as goûté 2, oui, parce que Céane est forcée de goûter 2, c'est tout mélangé à l'intérieur. Est-ce que tu veux goûter quand même comme pour... Juste pour voir, tu marques pas de points. Ouais. Alors c'est 1 point partout les loulous, bravo. Merci. Là, ça a le goût de l'eau. Ça a le goût de l'eau. Ouais. Pardon. D'accord. Pas de goût. Bon, alors, faites des efforts pour les bébés parce que apparemment, ça n'a pas de goût. Hein. Je goûte le jambon. Ouais. Tu goûtes le jambon, si tu veux. On fait la manche numéro 2? Oui. Ouais. Allez, ma manche numéro 2. Les loulous, voici le plat numéro 2.
Alors, dites-moi, donc c'est à Corentin de dire s'il veut échanger ou garder son assiette. Échanger. Ok. Pourquoi? Tu es sûre, hein? Oui. Oh, il est vite un peu. C'est aussi lourd. Alors, attention, donc t'es sûre que tu veux échanger? Oui. Hein? Ouais. Alors, attention, on va compter jusqu'à 3. Alors, 1, 2, 3. Miam! Miam, mais qu'est-ce que c'est que tiens? Alors, fais voir un peu. Ah, du poulet avec des haricots et du riz. Alors, Corentin a eu du poulet avec des haricots et du riz. Ça a l'air super bon. Et Océane, fais voir. Ça sent bon, mais je prends pas. Alors, fais voir, toi, tu as eu le plat pour bébé. Alors, je vais juste te le prendre. Alors, bah, Océane, c'est une guerrière à goûte, hein, déjà. Donc, voilà, donc Océane a eu quelque chose de pas très attrayant, voilà. Donc il y a des morceaux apparemment dedans. Donc je vous montrerai ce que c'est. Tu m'en rappelles? Tu t'en rappelles? Maman, elle t'a jamais acheté ça. Alors voici les amis ce que j'ai donné à Océane. Donc c'est du duo de haricots, riz et poulet. Voilà. Donc, bien. À l'intérieur, bah autant vous dire que c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, mais j'aime bien. Ça sent bon quand même. Tu pourrais goûter. Gros, t'as pas compris, on est en train de faire un festin, non? C'est goûter. Ça? Gros gourmand. Hein. Pas goûter. J'ai mangé 3. Est-ce que tu veux goûter celui de ta soeur? Ouais, famille. Ouais? Oh, vous êtes des aventuriers du goût, dis donc. Ah, par contre, vous avez marqué un point chacun. Bravo, les loups. Bravo. Bravo, bravo. Un parce deux. Que, franchement, je sais pas si j'aurais goûté. Hein. C'était bon. C'est pas très appétissant quand même. Hein. C'est pas très appétissant, mais c'est pas bon. Hé, hey, t'arrêtes de manger mon poulet. Alors les loups, on va peut-être pas faire un repas parce qu'il y a la suite. Alors est-ce qu'on passe à la manche numéro 3? Non, c'est bon, j'ai mangé du poulet. Non. Ils vont se battre le poulet. Gourmande, grosse gourmande. Alors bien sûr les amis, tout ce qui est présenté dans la vidéo sera mangé bah, ce soir. Ouais. On mangera ça ce soir. Ah oui, vous mais inquiétez mais pas. Bébé. En nourriture de bébé, au pire, bah, c'est maman qui la mangera. Ou bah, même papa, il aime bien aussi. Papa, la nourriture pour bébé. Ah voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gaspillage. Hein, on passe à... Moi. Je ne veux pas croquer un goût. On passe à l'assiette numéro 3. Ouais. Et mangez pas tout parce que vous n'aurez plus de repas ce soir sinon. Sinon, vous n'avez plus rien à manger ce soir. Comment on va faire? Comment on va faire pour manger tout? Vous mangerez pas. Vous mangerez pas, ok. Pas de problème pour Corentin, no society. Allez, on y va. J'ai adoré. T'as adoré? Ouais, wow. J'ai adoré. Alors, les loulous, ben, j'ai demandé à Océane et Corentin de se mander les yeux parce que vous verrez que la cloche de Océane est un petit peu ouverte et je ne veux pas qu'ils voient quelque chose. Avant de dire s'ils échangent ou gardent leur cloche, voilà, pour garder vraiment l'effet surprise. Alors, Océane, c'est à ton tour de décider si tu veux échanger ou pas. Est-ce que tu veux échanger avec ton frère? Non. Non? Ok. Alors, à trois, vous soulevez la cloche avec les yeux bandés. Bah tiens, on va rester jusqu'au bout dans le flou. Alors, Océane, remets ton bandeau. Hop. Allez. Alors, 1, 2, 3. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Ouais, des petits. Alors, Océane a. Un jus de pomme pour bébé! Non, c'est du jus de pêche. Alors, Océane, elle a du jus de pomme. Bah, c'est dans la bouteille, c'est pareil, Louloute. Alors, regardez pour Océane, nous avons. Parce que vous devez avoir une petite soif après tout ça. Donc, Océane a une petite boisson de pomme pêche et Corentin a un vrai jus de pomme à l'intérieur de son verre. Alors qu'est-ce que tu en penses, Océane? Est-ce que c'est bon? Ouais. Elle adore. Ouais. Bah apparemment elle aime ça. Hein. Il sera pas perdu le jus de fruits. Hein. Est-ce que tu peux me faire goûter? Alors, je vais goûter, tiens. J'ai jamais goûté ces boissons-là. Ah oh, ouais, c'est super bon. Ah ouais. Ah ouais, super bon. Je trouve que c'est même meilleur que le jus de pomme normal. Là, c'est un peu le goût du Rossi tropical. Ouais, c'est super, super bon. Je peux goûter. Oui, tu peux goûter. Attention, le verre. C'est le jus de pomme que tu bois le matin, Louloute. Moi, j'en ai plus ce matin, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Corentin, on boit du jus de fruits tous les matins.
Voilà, alors vous avez marqué encore un point chacun, donc ça fait 3 points pour le moment, ex aequo. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas goûter? Enfin bon, dis donc. Je sais pas, hein, c'est mal parti les amis. Hein. Alors, on va débarrasser ça et on va passer à la manche numéro 4. Oh, j'adore. Ça, c'est super. Oh, si vous voulez, vous pouvez garder la boisson. Alors, manche numéro 4 et Océane a remis son cache. Aïe, oh, c'est ça? Mais tu peux l'enlever si tu veux. Non, je veux pas. Tu veux pas? Ok. Alors là, c'est à Corentin de décider s'il garde ou s'il échange. Alors, qu'est-ce que tu fais? Garder. Non, échanger. Échanger? Ok, bon. T'es sûr, hein? Ouais, c'est bon. T'es sûr ou t'es pas sûr? C'est bon, je suis sûr. T'es sûr? Ok, bon, on y va. 1, 2, 3, on les déploie. Miam! Oh, Corentin, il adore ça. Alors, qu'est-ce que tu as eu, mon loulou? Fais voir. Du maïs, des carottes et des spaghettis. Alors, pour Corentin, nous avons une super bonne assiette, donc spaghettis, maïs et carottes Vichy. Et Océane, oh, fais voir toi. Attends, fais voir. Ah oui, j'ai oublié de te mettre la cuillère. Alors, Océane, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment pas terrible. Oh non. Et avoir la tête d'Océane, c'est vraiment pas terrible je du tout. C'est pas bon. Et Océane, alors elle a... Alors, c'est un petit pot biologique. Alors, c'est bio. Alors, c'est des spaghettis. Attends, Avec des carottes et du maïs. Pareil que Corentin, mais en version petit pot. Alors, est-ce que tu veux goûter, Corentin, l'assiette d'Océane? Alors, toi, tu as goûté, Océane, hein? Donc, tu as marqué un point et Corentin aussi, forcément. Alors, tu vas peut-être pas manger toute l'assiette, hein, quand même. Hein. Je veux goûter. Alors, ça nous fait 4 à 4. Corentin, est-ce que tu veux goûter l'assiette d'Océane? Non, tu veux pas? Alors, moi, je vais goûter, tiens. C'est vraiment si mauvais que ça. Alors, en tous les cas... Ça n'a pas de goût. En tous les cas, c'est pas terrible la texture. Ah mon Dieu. Mais tu sais de quoi ça a le goût? Non. Ça a le goût du foin. Oh! Ça a le goût du foin. Ah mais tu m'étonnes que tu aimes pas ma loulou. Ah, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça a le goût du foin. Ah, c'est un nom passe à la manche numéro 5. Ouais, allez, bon, on y va. Alors, donne-moi vos assiettes. Non. Tu vas pas tout manger. Non. Alors, on y va. Alors, Océane, est-ce que tu veux garder ou est-ce que tu veux échanger? Échanger. Bon. Elle m'a gardé. T'es sûre? T'es sûre ou t'es pas sûre? Tu veux chercher ou garder? Bon. On échange ou on garde alors? Elle essaye de peser. Mais bon, c'est n'importe quoi, tu sais pas combien ça pèse. Alors, on garde. Non, j'échange. T'échanges? Bon, on sait un échange du coup. Tout compte fait. Alors, 1, 2, 3. 3. Alors, qu'est-ce que tu as eu, Corentin? Un yaourt pour bébé. Un yaourt pour bébé. Avec une cuillère pour bébé. Océane, tu as eu quoi? Un yaourt à la pêche. Un yaourt à la pêche? Non, mais alors, Corentin, alors, c'est soit banane, soit pêche. Banane. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de différence entre les yaourts. Bah, je vais vous montrer ça. Alors voilà, vous voyez, hop, alors c'est ça, ce sont des petits onctueux croissance, donc 3 pêches, 3 bananes. Et comme vous voyez, ça sent super bon. On ne voit pas de différence entre les uns et les autres. Moi, de goûter. Alors, ça a le goût de ce pour humain, en fait pour les grands. Ce pour humain. Ça a le goût de ce pour les grands. Oui. Ouais, même la texture. Non. Non. Pas trop, non. Mais c'est bon. Oui, c'est bon. Vous les finirez tous, les 6? Non. Non, Océane, non, elle aime pas la tête d'Océane. Tu préfères avoir le tien, je pense. Hein. Tiens. Tu veux que je goûte? Ouais. Ah, moi, j'aime pas trop les yaourts et les petits suisses et tous ces trucs-là. Ça pas la même. Alors, franchement, ça n'a pas la même texture du tout que
on aura un flan raté. T'as vu, ah, c'est j'ai adoré. La même texture. Alors. Est-ce que je peux manger une cuillère? Or. J'ai envie de manger. T'as fait manger avec ta fourchette? T'aimes bien ça, t'es sûr? Oui. Alors les amis, il n'y a pas de sucre dedans. Ah, c'est sûr. C'est à l'abricot déjà. Non, à la pêche. Non, c'est à la banane. Non, c'est à la pêche. Banane. Non, c'est à la pêche. Et j'ai mis une banane dedans. Ah non, c'est pêche. Ah, c'est pêche. Merci. Et c'est un peu acide et c'est granuleux dans la bouche. Et par contre, c'est fort en goût de pêche. Mais j'aime pas du tout l'acidité. C'est pas onctueux du tout. C'est... Ah non, c'est farineux. Ah non, c'est sableux. Ah non, c'est 100 fois meilleur ça, quand même, les amis. J'ai adoré ça. Mais par contre, vous marquez toujours un point chacun. Non, franchement, vous êtes trop fort. Je pensais qu'il y a des choses que vous n'accepteriez pas de manger. Alors, ben, on va se retrouver avec la manche numéro 6, qui est la dernière. Ben, pour l'instant, on est à égalité. Ah, pour l'instant, vous êtes à égalité. Donc, on va voir avec la dernière. Bon, c'est... Ah, non, ça se mange pas avec les doigts, le yaourt. Ça se mange avec la cuillère. Et ben, tout mieux. Gros gourmand, Corentin, je t'ai vu. Je t'ai vu, gourmand. Tu veux le finir, Corentin? Non. Vu que ta soeur a fini le sien? Non. Bah si, t'as dit que c'était très bon. Mais écoutez, j'aime bien, mais il y a un truc qui me dérange. Ah, t'aimes bien, mais il y a un truc qui te dérange, donc t'aimes pas beaucoup, beaucoup alors? Oui, mais j'ai quand même bien aimé. T'as quand même bien aimé? Bah alors finis-le. Non, mais non. Tu veux bien manger celui de ta soeur? Oui. Ah, par contre, ah bon, bah en fait, t'aimes pas quoi. Non, mais écoute, celui-là, il y a des... Comme il est de mauvaise foi, celui-ci. Alors, tu veux le finir? Non. Non. Mais bon, tu marques quand même ton point. Allez, on va passer à la manche, la dernière manche. Et voici la manche numéro 6. La dernière. Il arrive, la dernière. Alors, Corentin, est-ce que tu veux échanger ou pas échanger? Tu veux échanger? Ouais. Attends, je vais voir si c'est lourd. C'est pas la peine, hein. C'est trop lourd, l'autre. Ah. T'es sûr? Oui. T'es vraiment sûr? Oui. T'es vraiment sûr? Oui. Ok. Bon, on y va à 3. Il est pas rassuré, Corentin, regardez. Alors, franchement, il n'y a pas de piège là. Il n'y a pas de truc vraiment mauvais parce que Corentin et Océane mangent de tout, en principe. 1, 2, on y va. 1, 2, 3. Miam! Miam! Ah, t'as bien fait d'échanger, hein, je crois. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Hein. Alors, c'est vrai que Corentin et Océane adorent la vraie pomme, mais n'aiment pas la compote de pomme. Alors, c'est une compote de pomme. Voilà, une petite compote de pomme. Hop, voilà. Alors, Océane, est-ce que tu veux goûter la compote de pomme? Alors, c'est marrant parce que d'autres enfants auraient pas mangé d'autres plats et auraient mangé tout de suite la compote de pomme, mais Océane a horreur de ça. Alors, est-ce que tu veux goûter? J'ai déjà goûté. Ouais, mais elle aime pas. Ça, c'est marrant. Hein. Alors, tu veux pas goûter? T'es sûr? T'es sûr? Ok. Donc là, pour le moment, il y a 6 à 5. Corentin, est-ce que tu veux bien goûter? J'ai goûté. Non, la compote à ta sœur pour marquer un 7e point. De oui, de toute manière, t'as gagné. Non, j'ai goûté. Ah, elle avait goûté. Elle triche. Cet esprit de compétition, je vous jure. Oh là 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 là. Même le premier micro, ça ne compte pas. Alors, Océane a un super esprit de compétition, donc elle a quand même goûté. Alors, renversement de situation. Maman, c'est bien plus bon que les compotes pour les grands. Ah bah, tout compte fait, elle aime ça? Non. C'est vrai? Bah alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, c'est n'importe quoi. Alors, Océane n'aime pas les compotes pour les grands, puis même les compotes que maman fait. Mais ça, tu préfères? Ouais. Ok, bon, les amis, bon, vous savez quoi? Je pensais que Corentin allait gagner. Et puis, il y a eu un renversement de situation. Et en fait, au final, bah, il y a combien? Bah, 6 points partout. Donc, bravo, il y a ex-aequo. Donc, vous êtes tous les deux vainqueurs de ce challenge Real Food versus Baby Food. Alors, est-ce que vous me faites goûter quand même cette compote? Est-ce qu'elle est bonne? Non, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle est bonne avec une petite cuillère pour bébé? Hop. Alors, les amis, je goûte. Alors, moi, quand j'étais petite et j'avais une petite sœur,
je finissais toujours les pots de compote de ma petite sœur. J'adorais ça. C'est vrai qu'elles sont trop trop bonnes. Elles sont pas sucrées. Et un petit peu sucrées, j'adore. Et papa, il faisait... Ouais, tout à fait. Et toi, tu faisais... Il y en avait partout. C'était la cadeau. Ouais, quand ils s'en rappellent. Hein. Oh là là. Et toi, pour les raviolis, tu veux attention, la viande et moi, je veux la bouche. Hein. Ouais. Ah. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, dites-nous dans les commentaires quel est l'aliment que vous n'aimez pas. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore tout. Moi, j'ai tout adoré. Ou alors, l'aliment que vous préférez. En vous commentant, Océane, qu'est-ce que vous avez préféré déguster? Moi, la tout. Pomme. Ouais. La pomme? Tout. T'es sûre que t'as pas une petite préférence pour le poulet par hasard? Non. Non. J'aime bien. Poulet, ça. Tout. Poulet et tout, sel, spaghetti. Tout, tout, ah ouais. Tout. Bon, d'accord. Alors, Océane aime tout. Alors, c'est vrai que Corentin et Océane ne sont vraiment pas difficiles. Hein. Ils aiment vraiment beaucoup de choses. Mis à part les courgettes. Moi, j'adore ça. Alors, peut-être qu'on fera une revanche. Qui sait? Courgette contre Corentin, qui sait? Alors, les petits copains, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit... Bonjour. Bonjour. Wow. Pour moi, surtout pour moi, parce que moi, j'ai goûté à tout. À tout. Et Corentin aussi, la goûte à la... Ah non, pas la compote, Corentin. Tu goûtes à la compote? Oh. Oh, bah, t'as vraiment goûté, hein, parce que Corentin aussi, pas fan de compote, ça. Alors, ben, si c'est pas déjà fait... Si c'est pas déjà fait... Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, les petits amis, vous faites des gros... Ciao, ciao.